Après avoir lutté contre un cancer de l'estomac et de l'œsophage, Bernard Tapie revient sur son combat aux 20h de France 2. Il dresse un portrait élogieux des médecins qui l'ont accompagné dans la maladie. Personne ne peut se rendre compte à quel point on leur est redevable. Des solutions pour améliorer les services hospitaliers. Devenu parrain de la nouvelle promotion de la faculté de Nice, Alpes-Maritimes, Bernard Tapie pointe du doigt les défaillances du système médical. Il évoque un manque de relation entre malades et médecins. Puis parle d'un manque d'effectifs épouvantable. Avec des professeurs, l'ancien homme politique annonce travailler sur l'arrivée de sous-aides-soignants au sein des hôpitaux. Pour pallier le manque de bras dans les services, Bernard Tapie propose de réquisitionner des chômeurs. Des solutions, que l'ancien patron de l'OM compte bien présenter d'ici 2 mois.